Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 à Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Night Train au micro, merci tout le monde de nous écouter de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux en effet, la famille grandit, on a du fun, continuez, lâchez pas. La famille va être de plus en plus grande, on s'en vient, the talk of the town. On va continuer comme ça. On travaille fort, on a du plaisir, on est passionné et surtout, on vous parle des vraies affaires. Merci tout le monde encore. Aujourd'hui, le sujet, c'est un film d'horreur. Le film d'horreur, c'est quoi? C'est le régime, le règne du maire actuel de la ville de Québec, Régis Labeaume et de son équipe. On va vous résumer en 16 dossiers, les 16 épisodes de ce film d'horreur-là. Et vous allez voir que c'est plutôt catastrophique. Au-delà des apparences, au-delà des coups de tête, au-delà d'un paquet d'affaires qui peuvent paraître bien glamour, bien drôle à bien du monde, il y a la triste réalité. Cette réalité-là, elle est noire, sombre, elle est négative. La ville de Québec est mal dirigée. Voici pourquoi. Commençons par le numéro 1. Les parcomètres sur la rue Maguire. Comme vous le savez, la rue Maguire, moi j'y allais, vous peut-être y alliez également. C'était agréable le midi d'aller prendre un petit lunch d'affaires là parce qu'il n'y avait pas de parcomètre. Il y avait un beau grand parking, puis on pouvait stationner dans la rue. Alors, c'était très, très bien. Moi, je n'y vais plus. Pourquoi? Il y a des parcomètres. Les parcomètres ont tout simplement baissé l'achalandage des commerces qui sont là. Le cochon d'Inde va quitter la rue Maguire, s'en va à l'ancien Casey's, à la place Sainte-Foy. Il y a moins de monde. On a trouvé le moyen de mettre en place la recette de parcomètres de la ville de Québec sur la rue Maguire. C'est pas des farces. Les parcomètres font en sorte dans la ville de Québec que les gens vont aller dans des restaurants en quelque part dans leur coin, soit à Charlebourg, soit à Beauport, soit à Lac-Beauport, soit à Sainte-Foy, peu importe où, où il y a un stationnement qui est facile d'accès. Les gens, ça les écœure, les parcomètres. Il y a des restaurateurs qui m'ont dit avoir fermé à cause de ça, moi, parce que les clients ne veulent pas y aller en ville. Ils ne veulent pas avoir le problème. Tu sais, le vendredi soir, après ta semaine, tu n'as pas envie de te casser la tête avec une niaiserie de parcomètres et leur cochonnerie de difficulté de mettre ton Moses de char en quelque part à Québec. C'est dommage. Ben, on a trouvé le moyen de scraper l'achalandage puis de ne pas respecter les commerces de la rue Maguire à Sillery en installant des parcomètres. C'est vraiment fort, vraiment fort. Alors, premier dossier, échec. Deuxième dossier d'horreur, l'horloge. Comme vous le savez, on a eu un beau cadeau de Grec, non pas de la Grèce, mais de la Suisse. C'est une horloge. Une horloge qui est, d'un point de vue esthétique, quand même pas si pire quand vous la regardez. Sauf que le problème, c'est qu'elle est toujours brisée. Puis elle coûte 30 000$ par mois d'entretien puis de maintenance. Puis des fois, elle est tellement brisée, tellement scrap, parce qu'elle a été bâtie par des artisans en Suisse. Et donc, c'est très complexe comme mouvement, cette histoire-là. On est obligé de faire venir des gens de la Suisse en avion, comprends-tu? Quasiment en jet privé pour la réparer. C'est pas drôle, là. Fait que ça coûte une fortune. C'était une belle horloge, sauf qu'elle est dans un climat qui est plutôt froid l'hiver, quand il fait moins 80 puis moins 200. Vous comprendrez que l'horloge, elle capote un peu. C'est normal qu'elle se scrappe. Donc, c'est un autre dossier merdique. C'est ridicule. Au moins, si on l'avait installé, comme du moins, en quelque part, à l'abri des intempéries. Deuxième dossier, échec. Troisième dossier, le coffre virtuel. Le coffre virtuel, si vous savez c'est quoi, dites-le moi. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savait. Et la bombe lui-même puis sa gang. C'est demeuré un dossier obscur. Ça a tout de même coûté entre 1,5 à 2 millions aux payeurs de taxes de la ville de Québec pour absolument rien. Rien. C'était virtuel tellement là, que c'était vide. Donc, on aurait dû appeler ça le coffre vide au lieu du coffre virtuel. Mais c'était un autre dossier avec une note de E, échec. Quatrièmement, plus grave encore, la dette de la ville de Québec est passée de 500 millions à 1,6 milliard. Donc, ça a triplé sous le règne de la présente équipe en poste à Québec. C'est vraiment, vraiment brillant, là. Alors, qui vous pensez va payer ça, cette dette-là? Qui vous pensez paye ça actuellement? Le service de la dette a augmenté en conséquence, c'est sûr. Puis qui va être pris avec ça? Donc, c'est les payeurs de taxes actuels. Et évidemment, à chaque fois qu'on augmente la dette, bien, c'est les générations futures aussi qu'on taxe, puis qu'on surtaxe. Puis ça, c'est irresponsable, tout simplement. Alors, c'est indécent. Juste ce dossier-là de l'endettement serait assez pour que normalement on dise à cette équipe-là, bye-bye. Alors, un autre dossier avec un beau E pour échec. Ensuite,
on a les caméras. Les caméras qui ont installé un peu partout en ville. Les caméras, ça avait été demandé lorsque ça avait été annoncé. Le maire actuel a dit, je vais être un des premiers à en avoir des caméras. Moi, je crois à ça, les caméras, ça va trop vite partout. C'est un vrai champ de course dans ma ville. Donc, je caricature un peu, là, mais on a été tellement les premiers que là, il y a des caméras partout. On voit très bien que le système de caméras, OK, sur les routes, c'est un système de taxation peu subtil, très peu subliminal, vraiment pas brillant. C'est un système encore pour écœurer le monde, OK, parce que ça allait pas si vite que ça sur Robert Bourassa, ça allait pas si vite que ça un peu partout, voyons donc. C'est pas un carnage la ville de Québec, voyons donc. Mais le maire encore voulait donner l'exemple, voulait être le cobaye, voulait être le précurseur, ben il y en a des caméras, puis là, ben, ça écœure tout le monde les caméras, parce qu'on réalise, je le répète, que c'est une forme de taxe déguisée, bien ben plus que d'autres choses. Alors, c'est un autre dossier pour lequel on peut dire que vraiment la Ville de Québec s'est tellement, tellement acharnée à l'avoir en priorité que pour finalement encore écœurer ses citoyens, qu'on peut juste lui donner un beau E pour échec. Un autre dossier, les chicanes. La Ville de Québec, le maire de Québec, puis certains de ses conseillers sont en chicane avec la Ville de Saint-Augustin, puis la Ville de la Seine-Lorette. Avec les villes aussi de la couronne nord de la ville de Québec, que ce soit Stoneham, Tewsbury. Tu sais, c'est les chicanes tout le temps des chicanes. OK? Puis la ville de Québec, la maire de Québec est toujours dans une relation quand tu es en chicane avec quelqu'un, c'est I'm OK, you're not OK. Il est jamais responsable de rien, c'est les autres qui comprennent pas, c'est les autres qui sont fautifs, puis c'est les autres qui sont pas corrects. C'est toujours la même histoire. Lui, il a les mains blanches, il comprend tout. C'est lui qui est au-dessus de la mêlée. Et c'est le grand savant, c'est Dieu le Père. Or, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout parce qu'il y en a un qui se mêle dans ses bottines puis dans ses lacets. On le voit bien avec les dossiers que je vous énumère, qui sont tous des échecs de A à Z. Ben, il n'y a pas de leçon à donner à personne. Pourtant, il est en chicane avec tout le monde. Il est en chicane également avec l'opposition. Vous écoutez une séance là, de questions à l'Hôtel de Ville. C'est un véritable vaudeville, mais un vaudeville d'une tristesse incroyable. Les couteaux volent bas. On croirait que le niveau moyen d'intelligence, de l'âge mental de toute cette gang-là, c'est à peu près 8 ans, 9 ans. T'sais, mon père est plus fort que le tien, là. T'sais. Puis le maire là-bas, on se gêne pas pour traiter le monsieur de l'autre bord de l'opposition, monsieur Chouéry, puis les autres, comme si c'était des tas de marde. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir que ça tient debout encore, cette assemblée-là, cette période de questions-là, qui est un véritable burlesque de mauvais goût. Bon, mais c'est ça, des chicanes. Donc, tout ce qui entoure la bombe, c'est des chicanes, sauf si vous mangez dans sa main, si vous mangez dans ses culottes. Puis si vous dites qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort, puis qu'il est fin, puis qu'il a des belles lunettes roses, puis que bon, puis qu'il a une belle coupe de cheveux, avec ses cheveux teints, si vous lui dites toutes des belles affaires dans la main, peut-être qu'il va vous aimer. Ou il vous enverra pas chier à tout le moins, tu sais. Donc, ce qui caractérise ce règne-là, c'est des chicanes. Donc, il n'y a plus de collaboration, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de bonne entente en toutes les villes, puis la ville-centre. C'est le chiard total. Total, OK? Fait qu'on peut-tu donner un E pour échec, hein? Un autre dossier, évidemment, qui est un peu connexe, corollaire à ce que je viens de dire au niveau des chicanes avec tout le monde. Il y a actuellement une poursuite des villes de Saint-Augustin et de l'Ancienne Lorette concernant le dossier d'agglomération. T'sais, on a même réussi à aboutir à tellement traiter les villes qui ont été défusionnées, les deux villes qui ont été défusionnées comme des tas de marde. Que là, il y a des poursuites en cours, c'est quand même pas rien, des poursuites en cours qui vont aboutir, je ne sais pas à quoi, mais ça va certainement aboutir à des montants d'argent imposants. Des montants d'argent qui vont encore aboutir, qui vont devoir encore être payés par qui? Qui met la main dans ses poches? Hein? C'est pas la bombe, hein? Il n'a pas une scène, lui. Puis sa ville, en plus, elle n'a pas une scène, elle est endettée par-dessus la tête, je le disais tout à l'heure. Bon, là, les poursuites en cours qu'on s'est vues-là vont aboutir, encore une fois, à des sommes astronomiques qui vont devoir être épongées par la ville de Québec, peut-être aussi par les deux autres villes, j'en sais rien, mais chose certaine, ça va juste montrer encore une fois que le climat est pourri, puis ça va se traduire encore par de l'argent qui va être versé par les payeurs de taxes déjà étranglés dans la ville de Québec, puis dans les autres villes aussi, en périphérie. Donc, un dossier pour lequel on note un E pour échec. Ensuite, au niveau du personnel, on s'entend que les gens qui travaillent à la Ville de Québec, c'est connu, les cols blancs, les cols bleus, les pompiers, les policiers même, tout le monde a été maltraité, le climat est pourri, les gens sont démotivés. Donc, même du point de vue de sa politique, sa gestion interne, son administration interne, il a réussi à scraper le climat au complet.
Il l'a scrappé à l'externe avec tous les partenaires, ce qui devrait être des partenaires, les autres villes. Puis il l'a scrappé à l'interne avec tout le monde que je viens de vous nommer. Ces gens-là doivent rêver la nuit, doivent faire des cauchemars la nuit. Ils doivent juste espérer, je sais pas si que leur retraite arrive rapidement. Ou en tout cas, c'est pas drôle de travailler dans la ville de Québec. Parce que c'est pas compliqué. Cette équipe-là n'a aucun respect pour les gens qui travaillent pour la ville. On dirait qu'ils les prennent tous pour des paresseux, des pas bons. Tu sais, vous savez, ça marche pas de même, là. Ça marche pas de même. Les gens font leur possible. Les gens sont a priori travaillants. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Bon, on a même réussi à démotiver tout le monde. Bon, ça s'est calmé un peu, mais il reste qu'au total, dans ce dossier-là, la gestion du personnel, démotivé, tanné, écœuré, c'est un E pour échec, encore une fois, à l'équipe La Bombe. Ensuite, on devait, je me rappelle, moi, au début, à l'arrivée du maire actuel, il parlait des technologies de l'information, entre autres, puis des technologies en général qui permettraient d'améliorer la prestation de services de la Ville de Québec, de rapprocher les services, l'administration des services des citoyens, toutes les buzzwords, les formules gagnantes qu'il faut dire, mais dans lesquelles, manifestement, il ne croyait pas, parce qu'au niveau des moyens technologiques qui auraient pu être mis en place pour faire de la Ville de Québec une ville high-tech, pour faire la Ville de Québec ce qu'on appelle une smart city, une ville digitale qui utilise les technologies pour effectivement rendre service aux citoyens, aider les citoyens, que ce soit pour la gestion du trafic, que ce soit pour la synchronisation des lumières qui est différente aux heures de pointe par rapport au reste de la journée, par rapport au déneigement qui est chaotique. Demandez aux gens qui demeurent sur la rue Napoléon, sur la rue Châteauguay, puis sur la rue Bagotte à Saint-Sauveur, comment est-ce qu'ils vivent ça, le déneigement, l'hiver ici à Québec, sous le règne de l'administration actuelle. Ils vont vous répondre, c'est un cauchemar. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun bon sens. OK, ces gens-là sont quasiment empêchés de bouger puis de circuler pendant une ou deux journées, du moment qu'il y a une bordée de neige. Donc, au niveau des technologies de l'information, au niveau des moyens technologiques pour upgrader, disons, les qualités de service aux citoyens, c'est un E pour échec. On n'est pas là. Ils ne croient pas dans l'informatique, ils ne croient pas dans les technologies. C'est pas compliqué. Fait qu'on fait juste la petite informatique là, de gestion des années 80-90. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pas drôle, cette affaire-là. Ensuite, le maire Bordeaux. Pourquoi le maire actuel, qui riait de l'ancien maire avant, parce que l'ancien maire avait commencé ça, lui, les petits voyages annuels à Bordeaux, là. Ben, il a continué, lui. Hein? La Bombe a continué comme l'allié à faire des voyages à Bordeaux. La question est, pourquoi Bordeaux? Un. Et deuxième question, qu'est-ce que ça rapporte économiquement à la Ville de Québec que le maire prenne l'avion avec une gang de son aéropage, là, sa garde rapprochée de Pee-Wee, ses rongeurs de balus, puis s'en aille à Bordeaux. Moi, je suis allé à Bordeaux. Vous, sans doute, certains d'entre vous, je veux dire, il n'y a rien là de spécial à Bordeaux. C'est pas laid, c'est pas beau, c'est correct, c'est une ville ordinaire. Il y a des villes bien plus belles que ça. Il se passe rien de spécial à Bordeaux. C'est quoi le jumelage avec Bordeaux? Qui a décidé de jumeler la ville de Québec avec la ville de Bordeaux? Tu sais, on est en 2017, là. Si le maire avait à visiter des villes, je viens de l'effleurer, là, tout à l'heure, en parlant de technologie, qu'elle donne dans des villes qui sont high-tech, qui sont classées parmi les meilleures au monde en termes de city smart, en termes de cité, de ville digitale, de villes qui mettent à profit toutes les technologies disponibles actuellement pour faire en sorte que l'expérience citoyenne soit de qualité dans cette ville-là. Tu sais, au lieu de poser des statues et de poser des fleurs, qu'il y ait dans des villes comme ça, des villes, je vais vous en nommer, moi, des villes qui sont vraiment high-tech, là. San Francisco, Boston, OK? À l'international, Singapour, Oslo, en Norvège, Londres. Ça, ce sont tous des endroits où on a mis en place des innovations technologiques, pas capotées, là, pas excentriques, pas des affaires qui tiennent pas de bout, là. Des choses qui sont appréciées par le citoyen. Un autre exemple de trucs comme ça, la gestion des espaces disponibles de stationnement. Les gens sur leur smartphone, sur leur cellulaire, voient exactement ce qu'il y a de disponible en direct, puis quel prix ils vont devoir payer, puis ils vont voir ce qui s'en vient qui va être disponible. Comprenez-vous? Il y a plein de choses là, comme ça, très précises, très concrètes, qui pourraient être supportées par des moyens technologiques. Mais la Bombe, c'est un sociologue.
C'était un gars de lettres françaises. C'était un autre gestionnaire, comme il y en a plein au gouvernement du Québec, qui connaissent rien en technologie et qui perçoivent puis qui traitent les technologies comme une commodité, comme si c'était juste une bébelle qui coûte cher. Donc, c'est des gens qui sont bloqués. Tu sais, la boîte à fusibles, sur ce plan-là, est brûlée. Toutes les fusibles sont noires. Ils n'ont pas compris, puis ils ne comprendront jamais. Fait que ça, tu kicks ça out du monde demain. C'est pas du monde qui sont à l'heure d'Instagram, de Facebook, puis de la radio web. C'est du monde qui sont encore au Moyen-Âge, dans le temps des charrettes. OK? Donc, Bordeaux, E pour échec. Ça sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. OK? Un autre dossier, le lac Saint-Charles. Lac Saint-Charles, ça fait des années qu'il est pourri, qu'il est en train, qu'il est mort. Bon, en fait, il est agonisant. C'est pas vrai qu'il est mort. Mais il agonise, puis il agonise lentement, mais il agonise sérieusement surtout. OK? Lac Saint-Charles, là, c'est un bol de pisse. OK? Faudrait qu'à un moment donné, les gens réalisent là, qu'on n'est plus là, à l'air là, où on fait pipi puis notre caca dans le lac, là. OK? Mais le maire Labeaume, lui, il trouve le moyen de mettre ça sur la faute des gens qui vivent à Stoneham et à Tewsbury, parce qu'ils sont soi-disant dans le bassin versant. OK? Or, c'est faux. C'est faux. C'est pas de la faute de ces gens-là, mais pas de maudite minute. Puis, deuxièmement, il devait y avoir des études déjà qui sont réalisées et surtout des moyens concrets de mise en place puis des normes et tout ça pour essayer d'assainir graduellement ce lac-là, qui est quand même une source d'eau potable pour la ville de Québec. Fait qu'on aimerait ça que la source d'eau soit potable et soit pas un bac à pisse, OK? Mais ça, ça prend du temps, ça taponne, ça dure longtemps. En attaquant, Stoneham, puis tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, Oshkan a pogné encore une fois, il n'y a rien qui sort de ça de positif. Pendant tout ce temps-là, ben la couleur de l'eau du lac Saint-Charles change, dépendant des saisons, entre jaune et brun. OK? Donc, bravo, vraiment, bravo l'équipe Labeaume pour la gestion du lac Saint-Charles, une source d'eau des citoyens. Donc, un E pour échec. Ensuite, un autre dossier obscur, l'entente avec le centre Vidéotron. Tout ce qu'on sait, c'est que pour les 5 premières années de l'entente, la Ville de Québec doit éponger les déficits d'opération. La Ville a dû débourser 700 000 $, près d'un million pour la première année. Imaginez-vous, près d'un million. Puis ça, c'est pour 5 ans. Est-ce que c'est pour plus que 5 ans? Quelles sont les autres modalités après le 5 ans? On ne le sait pas. Parce que c'est ça qui ne marche pas, là. C'est que, finalement, les gens payent pour quelque chose pour lesquels ils ne connaissent pas les modalités contractuelles. OK? Puis l'entente est telle qu'il y a juste les vérificateurs à la Ville de Québec qui peuvent aller voir l'information selon certaines modalités dans ce contrat-là. Parce que c'est Québécois qui gère ça de façon en catimini, dans son coin, dans son garde-robe. Fuck les payeurs de taxes, encore une fois, hein? Bon, mais on s'entend que c'est un E pour échec, hein? Un autre. Toujours dans le même coin du centre Vidéotron, le dossier des Nordiques. Avez-vous été voir une game des Nordiques, vous? Pensez-vous d'aller voir une game des Nordiques prochainement? Si vous avez écouté Radio B52, comme vous vous faites, je pense, maintenant, un plaisir de le faire, eh bien, il n'y en aura pas de Nordiques. Puis il n'y en aura jamais de Nordique. On a tout exposé raison pourquoi les Nordiques ne reviendraient jamais à Québec. Vous avez juste à réécouter les podcasts. Lui, en tout cas, il aurait dû y penser avant. Parce que là, vraiment, on est pris avec une situation qui est quand même très difficile. Parce qu'on doit gérer un amphithéâtre de 18 000 piastres, OK, de rentabiliser sans équipe professionnelle. Ça peut se faire. Mais ça va être un tour de force. Puis ça ne sera pas dans les premières années. Les premières années vont être déficitaires. Le président de Québécois, Pierre Dion, le dit. Fait que tout le monde, tous les payeurs de taxes de la Ville de Québec vont devoir mettre la main dans leur poche à la hauteur de possiblement toujours le même montant, 700 000 à 1 million par année. Donc, c'est vraiment pas beau, cette affaire-là. Puis les gens de l'agglomération qui participent aussi, indirectement participent à ça, c'est bien évident. Fait que ça touche tout le monde, là. Donc, dossier des Nordiques, qui était supposé être le fleuron sur lequel il a surfé, ben c'est là, on surfe, savez-vous dans quoi? On surfe dans falaise, on est en train de rentrer là dans le roc avec notre surf. Vous comprendrez que ça fait mal, hein, rentrer dans le roc à pleine vitesse, là, c'est une vague, ben c'est ça qu'il a fait. Là, on a fressé la falaise, le cap, puis on a de l'air fou. Mais c'est surtout le maire de Québec lui-même au premier chef qui a de l'air fou dans toute cette histoire-là. L'autre élément...
Le maire actuel voyage en première classe en avion. Bon, soi-disant parce qu'il y a des malaises. Écoutez, c'est peut-être pas ça qui est le principal dossier, mais on comprendra que ça coûte une fortune. Ceux qui prennent un peu l'avion, c'est une fortune. Donc, ça prend des sérieux malaises. Voyager en première classe, en tout cas, moi, je connais des gens qui sont, comment dire, qui sont pas en très, très bonne santé, nécessairement, là. Puis, ils voyagent tous en classe économique, en classe que tout le monde voyage en général. Et ça leur cause pas de problème. Vous savez, les dossiers sont quand même très potables. Donc, c'est une petite... Alors, évidemment que ça fait montre un petit peu de, je dirais, de la, comment dirais, l'auto-perception du personnage, comprenez-vous? Le seigneur en première classe. Donc, E pour échec. OK? Dernier élément du règne de l'équipe actuelle, qui n'est pas très, très jojo, c'est le maire de Québec est maire d'une ville. Il n'est pas premier ministre du Québec. Il n'est pas premier ministre du Canada, il n'est pas président d'une république, il est juste le maire d'une ville. Une belle ville, mais c'est quand même juste ça. Or, il se prononce politiquement sur une foule de sujets qui débordent complètement, son rôle de maire d'une ville. On l'a vu quand il est allé en Louisiane, puis qu'il a dit qu'il était pour la souveraineté ou la séparation du Québec. Tout le monde sait que juste la bombe, c'est un péquiste. Fait que c'est sûr que, comprenez-vous, que l'allégeance sort de temps en temps. Hein? Puis c'est vrai dans toutes sortes de situations. Il est allé, je pense, dernièrement à rencontrer la mairie de Gatineau. Puis encore là, il a fait des affirmations qui n'ont pas nécessairement été très appréciées dans ce coin-là. Bref, c'est comme si finalement il y avait le droit de comporter n'importe comment, puis prendre des positions politiques sur tout sujet qui déborde la ville de Québec. Or, quand il parle, pas comme citoyen, le citoyen Régis Labeaume. Il faudrait qu'il comprenne qu'il y a toujours le chapeau de maire de Québec quand il parle. Puis le maire de Québec, c'est pas dans ses prérogatives de faire part aux gens ses préférences partisanes, péquistes, philosophiques et politiques. C'est même complètement déplacé, cette affaire-là. Et les gens, normalement, ne devraient pas trop aimer ça. Fait que c'était un autre dossier, c'était le dernier, dans lequel on peut dire, encore une fois, « Come on, man! E pour échec! » Fait que je viens de vous résumer. 16 dossiers d'horreur. 16 dossiers qui sont des échecs. Quand vous les mettez tous ensemble, ben ça vous donne un aperçu de la performance de l'administration de la Ville de Québec depuis bientôt 8 ans. C'est une administration qui est au-delà des apparences, qui, dans les faits, autant du point de vue de la gestion financière que de la gestion des ressources humaines, de ses ressources humaines internes, que de la gestion de ses partenaires des autres villes, c'est une administration qui a démontré qu'elle était incompétente, qu'elle n'était pas capable d'être à la hauteur de la tâche. Dans tous les dossiers, tout va mal, tout vire mal. Souvent, ça a des incidences financières sur les payeurs de taxes de la Ville de Québec. C'est ça qui est encore plus choquant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue à se comporter comme si on était tout seul au monde, à avoir la vérité, la science infuse, alors que vraiment, tout ce qu'on pourrait faire de mieux, vraiment pour les citoyens de la Ville de Québec et les grandes agglomérations de Québec, c'est de se tasser de là puis laisser la place à du 109, à des gens qui vont, eux, être capables de faire une gestion compétente des affaires de la Ville en collaboration avec tous les partenaires autour. C'est ça que les gens de Québec méritent. En 8 ans, on aurait pu faire une foule de choses. Au contraire, on a manqué le bateau dans tous les dossiers, ou à peu près. Sauf un, la fontaine de Tourny. Et vous savez quoi? C'est pas au mairie de la Ville de Québec, parce que c'est Peter Simons, le propriétaire du commerce Simons, qui a payé l'importation de cette fontaine-là d'Italie, qui l'a fait rénover, qui l'a fait belle, puis qui l'a fait installer devant le Parlement. Donc c'est pas pantoute, ni Régis Labeaume, ni la petite madame, ni toute la gang du conseil de ville. C'est un gars du secteur privé, c'est le seul bon coup. Imaginez-vous, c'est pas beau, hein? Alors voilà. Chez Monio, conseil de ville, équipe La Bombe, Ville de Québec. C'était Radio B52, Night Train au micro.